Oui, c'était un groupe intéressant. Il y a quand même trois équipes collectivement très fortes. Mais je veux dire qu'il n'y a pas un joueur de classe mondiale dans les trois équipes. Donc c'est un... Je veux dire, c'est jouable, voilà. Pour arriver en huitième de finale, on aurait pu tomber beaucoup plus mal. Il y a quelques groupes qui sont beaucoup plus difficiles. Donc voilà, on va pas... Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir où on allait jouer. Donc notre camp de base, c'était à Sao Paulo. On a un match à Sao Paulo. Un autre à Rio, c'est une heure de vol. Et Belo Horizonte, c'est trois quarts d'heure. Donc au point de vue des avions, on ne va pas passer le temps dans les avions. Donc c'est bien. Oui, bon, ça c'est possible. Moi, la vérité du terrain, je la connais mieux que de parler devant les micros. Donc après, tout le monde est déçu parce que tout le monde est sûr qu'on va passer. Et ça, c'est un piège qui est dangereux, qu'il faut évidemment éviter. Mais on va d'abord bien préparer cette équipe. Elle est jeune, mais elle n'a pas d'expérience de Coupe du Monde. Donc ça fait 12 ans qu'on n'a pas participé à un seul tournoi. Donc il faut que mes jeunes se préparent maintenant à ne pas déjà jouer la Coupe du Monde 6 mois à l'avance. Il faut la jouer quand c'est le moment présent. Ah, écoute, il n'y a pas de revanche. J'apprécie beaucoup Felipe Scolari, le football brésilien. Voilà, il y a eu une décision qui a été prise qui nous a annulé un but quand on était encore en 8e. Ça a meurtri un peu tout le football belge et beaucoup de supporters belges. Mais il y a tellement un respect entre moi. Moi, je suis heureux de participer à une Coupe du Monde ici, 12 ans après. Et surtout de retrouver le Brésil. Et si je pourrais le retrouver plus tard, ça me ferait encore plus plaisir. Ben oui, je crois qu'ils peuvent être optimistes. Je crois qu'on a 3 coups qui sont jouables pour arriver en 8e. Ça, c'était mon objectif à moi. Après, contre qui on tombe, on verra. C'est peut-être le groupe de l'Allemagne, du Portugal, du Ghana. Donc voilà, après, c'est sur 90 minutes ou sur 120 minutes ou sur des pénaltys que ça se joue à pas grand-chose. Donc moi, l'objectif, c'était évidemment d'arriver en 8e. Ce que je veux toujours faire, et puis on verra.